Donc, merci à vous d'être de vous être levé à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, pour venir assister à cette modeste conférence. Merci de m'accueillir. Je pense que c'est important. Je ne vais pas parler de Drupal. C'est pas le sujet de la conférence. Je vais parler du fonctionnement de la communauté Drupal qui développe Drupal. S'il y a des questions sur Drupal, je serai là-haut où vous me trouvez, je veux bien y répondre, mais hors de la conférence. Alors, je m'appelle Léon Cross, mon pseudo c'est souvent Chipoué, c'est le nom de ma société. J'ai deux activités, une activité communautaire, là c'est une photo du Drupal Camp Lyon 2012, j'avais organisé avec quelques autres et l'équipe du bureau de l'époque. Depuis, j'ai mis de plus en plus le doigt dans la communauté. Je suis président depuis un petit moment, pas très longtemps, mais un petit moment. Ça, c'est l'aspect communautaire. Donc, c'est Drupal France et Francophonie. On parle de Drupal France. Le site de l'association, c'est drupalfr.org. C'est historique, mais on a récupéré récemment drupal.fr qui pointe sur le même site web, pour ne pas confondre avec d'autres sites. J'ai une activité alimentaire à côté parce qu'il faut bien vivre, et donc, enfin, il faut vivre, on va dire. Et c'est la société Chipoué qui fête ses 20 ans. Donc, on a tenu 20 ans avec la bulle d'Internet et tout ça. On est très contents, avec des clients sympas, et on fait de l'open source depuis 20 ans. Puisque moi j'étais chez IBM avant, je vendais des licences, je vendais du propriétaire, j'ai basculé dans l'open source, et en 2005 j'ai découvert Drupal, et j'ai mis des années à comprendre comment ça pouvait bien marcher et être gratuit. Donc c'est pour ça qu'il me paraît important de partager avec vous. Alors certains pourraient se dire, mais que fait-il là, celui-là pour être un peu plus désagréable, voire dire « Oh, ça va si mal que ça, Drupal, pour venir voir WordPress, j'ai eu droit à Lyon ». Et en même temps, c'était un peu taquin, mais c'était pas méchant, si vous voulez. Donc, je suis là, Aurélien l'a déjà dit, pour établir des ponts entre les communautés, parce qu'en fait, en discutant, tu as pas parlé du podcast, mais à Lyon, en juin, j'ai discuté avec quelques personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait matière à échanger des idées. Ensuite, Grégoire Noyel, Mathieu Viette, j'en oublie, Thierry Pigot, m'ont proposé de faire un podcast avec Aurélien. On a fait un podcast pendant une heure, on a arrêté le podcast, on a dû discuter encore deux heures, je pense, derrière. Il y avait beaucoup de choses à se dire. Donc je pense qu'il y a matière à échanger, à prendre des bonnes idées où elles sont. On est tous sur un même bateau, ce qui est celui de l'open source. Et l'idée, comme on est tous dans la compétition, à la fois coopération et compétition, c'est de faire grossir le gâteau de l'open source, même si chacun a une part plus petite de ce gâteau qui grossit. Globalement, tout le monde se porte mieux. Alors, de quoi allons-nous parler? De la communauté Drupal qui développe... Drupal, c'est assez particulier, donc... Je vous expliquerai. Je vais parler d'outils et méthodes, c'est important, savoir comment on peut travailler, d'organisation du projet, de revue de projet, de transmission du projet, parce que ça, c'est quelque chose qui a intrigué certains, comme Mathieu en particulier. Donc, ils m'ont demandé d'en reparler, du modèle économique d'entreprise. Je vais essayer d'aller assez vite. Des clés de la réussite, de points de vigilance, et je vais essayer de garder du temps pour les questions-réponses, parce que c'est là que je peux vous apporter peut-être un peu plus. Alors si vous ne connaissez pas Drupal, c'est un gestionnaire de contenu, c'est aussi un framework de développement. Sur Drupal 7, il y a 12 000 modules disponibles, c'est un logiciel libre, open source et gratuit. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Donc Drupal est un projet communautaire, il n'y a pas d'éditeur derrière Drupal. Donc c'est un peu une particularité quand on va voir des gens comme... Easy Publish ou d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais il n'y a pas d'éditeur, c'est vraiment contributif et collaboratif.
ça appartient à l'ensemble de ses contributeurs. C'est pas, ça appartient pas à tout le monde, ça appartient à l'ensemble des contributeurs de Drupal. Alors la communauté Drupal, janvier 2001, elle est là, la communauté Drupal. C'est Dries Buitaert, qui est un Belge flamand, qui faisait ses études à Anvers et qui voulait partager une connexion RNIS à l'époque, qui a démarré quelque chose et qui a eu la super idée de le pousser en libre et en open source, en disant « j'ai fait un petit truc, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez l'utiliser et puis l'améliorer ». Et là, il a une super idée parce qu'il a poussé ça, il a gardé un esprit open source, et là, moi, c'est un monsieur que je souhaite saluer parce qu'on a un project leader extraordinaire. C'est vraiment quelque chose. Il écoute les gens, parfois il se fait un petit peu secouer. J'ai assisté à des corps conversations à Londres où il est un peu chahuté. Mais il écoute, ok, puis après il donne, il fait un peu la synthèse et il reste à l'impulsion. Mais il laisse les gens travailler et développer des idées. Et donc, ça crée au bout de quelques années, une quinzaine d'années, une communauté qui se rassemble dans des DrupalCon, donc ce sont les événements internationaux. Il y en a un, alors pour les, il y en avait un à Barcelone, on était 2200, Amsterdam avant on était 2400. Il y en a un à Mumbai, la semaine prochaine, je crois, ou la suivante. Il y en aura un à la Nouvelle-Orléans, il y en a un en Amérique du Sud. Donc il y en a à peu près 4 ou 5 dans le monde. Et aux États-Unis, quand ils se réunissent, ils sont entre 3500 et 4000 personnes. Et là, c'est le genre de truc. Déjà là, vous pouvez passer une semaine sans voir les personnes que vous connaissez si vous n'avez pas pris la précaution de prendre leur numéro de téléphone avant. Ça m'est arrivé à Londres. Au bout d'une semaine, je repars et à la gare, je trouve quelqu'un que je n'avais pas vu de la semaine et qui habite Lyon. Donc c'est quand même extraordinaire. Mais ce n'était pas quelqu'un que je voyais tous les jours non plus. Je n'avais pas pris son numéro. Alors, ça peut être aussi des camps ou des Drupal Developer Days. Ce sont des événements un peu plus petits. Là, on était 350 à Montpellier. Une semaine où les gens viennent. Ils payent leurs frais. Ils payent une participation. Ils payent leur hôtel. Ils ne travaillent pas pendant ce temps. Et ils viennent là pour faire quoi? Pour travailler pour le projet. Alors ça, c'est des choses, j'ai beau tremper dedans, ça me dépasse encore. C'est la magie un peu de l'open source et de ces projets contributifs. Après, on a aussi des meet-ups locaux. Donc on en a une douzaine de villes en France qui marchent plus ou moins bien. À Paris, ils font le plein des salles à chaque fois. À Lyon, on est à peu près une vingtaine et il y a d'autres villes où ils sont un peu moins nombreux. Il y a certaines villes, comme à Rouen par exemple, où comme ils ne sont pas suffisamment nombreux, en fait, ils font des choses avec d'autres projets. Et donc, une fois, on parle de WordPress, une fois de CSS, une fois de Drupal, etc. Ça tourne. Et je pense que c'est une super idée quand il n'y a pas une masse critique. Et même s'il y a des villes qui sont plus importantes, je pense que vous êtes tous les bienvenus dans les meet-up Drupal. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, j'arrive pas à aller sur les meet-up à FUP à Lyon, etc. Mais je viendrai avec plaisir à des meet-up aussi WordPress. Je pense que c'est important de voir au-delà de son petit périmètre parce que on a tous un emploi du temps super chargé, on n'a pas beaucoup de temps et c'est vrai que si on peut aller échanger un petit peu, si on va dans une soirée et qu'on ne prend qu'une bonne idée, ne serait-ce en repartant, on n'a pas perdu son temps. On a eu des parties aussi, Drupal 8 à 1005 ans à sortir. Si vous voulez des détails, je pourrais vous expliquer pourquoi. Donc on a fêté ça le 19 novembre, il y a eu plus de 200 release parties un peu partout dans le monde, avec des gâteaux en pagaille, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'il y avait des crises de foi certainement à différents endroits, mais il y a un engouement, quoi. Pour donner quelques chiffres, vous voyez, j'ai essayé de mettre des images sur mes diapos. Hier, j'ai vu plein de photos, plein de trucs. Donc hier soir, j'ai passé du temps à essayer de trouver des images. Mais j'ai aussi du texte. Donc, Drupal 8 est sorti avec 3300 contributeurs qui ont participé à un commit ou quelque chose dans le cœur. Il y en avait 800 pour Drupal 7. Je vous expliquerai un peu ce qu'on fait comme travail pour arriver à ça. On a à peu près 100 000 contributeurs actifs sur Drupal.org
Il y a à peu près 1 million de comptes actifs sur Drupal.org. Si vous ouvrez un compte, il est probable que vous serez au-delà de 3 millions aujourd'hui. Mais voilà. Donc après, le volume, ce n'est pas tellement ça qui est important. Il peut y avoir des millions de gens, s'ils ne participent pas, ça n'apporte pas grand-chose au projet. Outils et méthodes. Alors on a un navire amiral qui s'appelle Drupal.org, c'est le site sur lequel on va proposer des projets si on souhaite qu'ils soient un peu vus de la communauté, utilisés par des clients, etc., et enrichis par les uns et les autres. Je passe. Le site fonctionne en intégration continue. Il y a eu des issues queue, je vais vous montrer un petit exemple derrière. On va proposer des patchs. Il y a des tests automatisés. Quand vous proposez un patch, vous le chargez, hop, derrière ça vous dit ça passe en test automatisé, puis ça vous dit si ça passe encore les tests. Donc, et ensuite c'est intégré en continu. Et vous avez ici quelques chiffres que j'ai pris, ça c'était, je ne sais plus quand, il y a quelques mois, mais bon, c'est un petit exemple. Ce qui se passe dans la dernière semaine, quoi. En termes d'outils et méthodes, je vais parler de cycle de contribution. On impose des bonnes pratiques en Drupal depuis longtemps, qui cassent les pieds à beaucoup de gens, mais finalement, moi venant d'IBM, ça me plaisait bien. Ça faisait partie des choses qui me plaisaient bien dans Drupal, c'est un petit peu cette rigueur. Je suis un peu masochiste peut-être. Mais... On a des sprints et des mentors pour amener les gens à contribuer. Les corps conversations, ça c'est un truc qui est assez intéressant. Julio hier parlait d'échanges sur Slack avec... je ne sais plus qui, sur quel sujet. C'est un peu le même principe. Là, simplement, vous avez un DrupalCon. Cette salle est pleine de gens qui viennent là. Vous avez un micro là. Et les gens font la queue pour poser des questions à des gens de la core team. Et c'est entre autres là que j'avais vu Driss se faire un petit peu chahuter, de façon très constructive. Et donc, vous pouvez arriver, ne pas connaître grand-chose et poser une question en anglais, bien sûr. Dans ces cas-là, qui peut changer Drupal. C'est ça qui est extraordinaire aussi, en fait, quand on est dans nos projets open source, c'est qu'on se dit, je suis un petit microbe, je ne connais pas grand-chose, j'arrive, je remarque quelque chose qui m'étonne, je le fais remarquer, et ça change. Et on se dit, tiens, j'ai un pouvoir. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans le logiciel propriétaire. Quand j'allais voir des clients, je leur disais, vous n'êtes pas Amadeus, vous n'êtes pas la Banque de France, vous n'êtes pas la BNP. Je vais demander au labo s'ils peuvent le faire. Je ne vous garantis pas que ça sera fait. Là, on ne demande pas au labo de le faire. On le fait, on le propose. Donc c'est vraiment magique. Les Open Drupal Association Board Meeting, il y en a un par DrupalCon. Donc ce sont des meet-up, des meetings du board de la Drupal Association. N'importe qui peut venir participer, écouter, mettre son grain de sel. Ça, c'est pareil. Moi, à Londres, j'ai mis mon grain de sel. Je me suis dit, t'es ridicule, etc. Et puis finalement, non. Donc j'ai recommencé. À Barcelone, j'avais pas grand-chose à dire de plus, mais ça fait partie des choses qui me paraissent assez extraordinaires, c'est qu'on puisse arriver et mettre son grain de sel. Je parlerai un peu plus tard de revue de projet, de passage de projet. Alors, le cycle de contribution, il est un peu classique. Il y a un utilisateur qui dit il y a un problème quelque part. Ça peut être un bug report, ça peut être un feature request, ça peut être autre chose. Il y a une développeur. Alors, j'ai pris ça, ça doit être Angela qui a dû faire ça, je pense. Donc, c'est en anglais. Le développeur fait un patch, il vous propose quelque chose et il dit, ben voilà, ça passe en NIT review. Il faudrait que quelqu'un jette un coup d'œil. Il y a Tatiana qui jette un coup d'œil, qui dit, il y a ça qui ne va pas. Ensuite, Paola ou un autre développeur, n'importe quel développeur, peut proposer un autre patch. On va parler de reroll ou on va parler de modification du patch. Et hop, ça repasse en NIT review. Ensuite, quelqu'un d'autre dit, attention, il y a ça qui n'est pas bon. Et là, ça va être par exemple, est-ce que vous avez testé sur les langues inversées? Ah, est-ce que quelqu'un veut bien tester les langues inversées puis sortir les copies d'écran? Est-ce que ça sort toujours? Est-ce que vous avez testé ceci? Est-ce que vous avez documenté? C'est pas marqué. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela.
Donc il y a plein de choses, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, c'est reviewed and tested, super, on va pouvoir committer. Sauf que là, ça peut très bien repasser, remonter encore, needs work, needs review, etc. Et là, quand on contribue, il y a un phénomène où on voit parfois des issues qui font 150 pages de commentaires, et on se dit, mon petit truc, ça ne va jamais sortir. Et de temps en temps, ça sort, on se dit, tiens, il est sorti. C'est vraiment une sorte de hard, c'est vraiment un chemin qui a l'air très difficile, mais en même temps, qui contribue à la stabilité de l'outil, quoi. Et ça permet à beaucoup de gens de contribuer. Alors, pour amener les gens à la contribution, on a des sprints. Les sprints, je crois que quelqu'un parlait de Contribution Day en Allemagne hier. C'est un peu le même principe pour Drupal sur le WordCamp allemand. Le sprint, c'est quand il y a un camp, le dimanche, on va faire une journée de sprint. On va éventuellement en faire le samedi aussi. Quand il y a un DrupalCon, le DrupalCon, c'est mardi, mercredi, jeudi, conférence. Lundi, Community Summit, éventuellement des formations, Executive Summit. Le vendredi est dédié au sprint. Éventuellement, il y a des sprints étendus avant et après. Donc il y en a qui vont passer 2 semaines autour d'un DrupalCon à sprinter. Le sprint, l'idée du sprint, c'est d'amener les gens à contribuer. C'est de dire, vous ne savez pas par où commencer, vous vous adressez à des gens qui ont un t-shirt jaune, ils vont vous mettre le pied à l'étrier. Là, par exemple, à Barcelone, on avait réussi à faire une table francophone, ce qui ne s'était jamais fait. Mais Frédéric, qui est de dos, là, avait une question de quelqu'un qui est venu, qui dit « je ne suis pas à l'aise en anglais ». Il a posé la question « est-ce qu'on peut mettre un badge FR pour ceux qui parlent anglais sur les mentors ?» Ok, ouais, c'est une bonne idée, très bien. Et donc, on a fait deux tables. Enfin, on a fait une table et puis après, on a éclaté en deux tables parce qu'il y avait de la demande sur travailler en français. C'est vrai que pour les nouveaux, c'était plus facile. Le principe du sprint, c'est on arrive sur l'issue Q, là. Il y a plein de sujets à traiter. J'arrive, quand je vois que je rafraîchis mon écran, il y a de nouveaux commentaires qui sont arrivés, je me dis, je ne vais pas avoir le temps de suivre, je ne vais pas avoir le temps de comprendre. Donc il y a des activités qui consistent par exemple à faire des samouraïs, actualiser le résumé de l'issue. Pour les gens qui arrivent, qui voient un résumé, et hop, ils peuvent faire quelque chose d'efficace tout de suite. Mais j'arrive, une des premières difficultés pour les nouveaux contributeurs, c'est savoir par quoi commencer, quelle issue prendre, que faire. Donc c'est le rôle... Oh là, excusez-moi. Bon, j'aurais dû lui dire que c'était à cette heure-ci ma conférence. Le rôle des... Donc c'est d'aider les gens à arriver, de leur expliquer voilà ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles regarder à tel endroit. Il y a des guides. Tu dois faire, par exemple, des copies d'écran, c'est expliqué quelque part ce que tu dois faire. Tu veux faire une review, voilà, tu vas sur telle page, c'est expliqué. Tout ce que tu dois faire, dans le détail, tu suis la procédure. Donc, on est là pour les guider et puis les aider aussi techniquement sur les problèmes qu'ils peuvent avoir. L'idée, est qui, donc les t-shirts, ça vient depuis Munich, je crois, ça doit faire 3-4 ans. Il y avait des mentors, mais ce n'était pas très clair. On rentrait dans une salle. Imaginez cette salle, plus la salle qui est ici, tous les espaces qui sont ici. Imaginez des gens partout, tous les escaliers qui sont là, des gens partout avec leur ordinateur. Ça, c'est un truc, moi, ça m'a estomaqué. À Londres, il y en avait partout. À Munich, il y en avait partout. J'ai du mal à comprendre toujours, mais... Quand on arrive à Paris, je me souviens, je voulais sprinter à Paris. Je suis allé dans la salle des sprints. Il n'y avait aucune explication, c'était en 2009, il n'y avait pas de panneau. J'ai essayé de voir, d'attraper quelqu'un, je voyais qu'ils étaient tous sur leur ordinateur, je me suis dit, je vais sortir, je reviendrai un peu plus tard, et je suis pas revenu finalement. L'idée, donc après ils ont introduit, ils ont dit, on va mettre des t-shirts, on va mettre des panneaux aux entrées de salle, vous voulez travailler sur tel sujet, allez sur telle table, vous voulez travailler plutôt sur tel sujet, vous êtes graphiste, vous voulez faire de la doc, vous voulez faire de la traduction, voilà où aller. Et on a des sessions qui sont des briefings globaux. Alors ça, ce sont des gens qui savent sur quoi ils vont travailler. Donc ils sont autonomes.
Une fois qu'ils ont passé ces étapes, ils travaillent, ils arrivent, ils travaillent sur des issues, ça discute par IRC, et essentiellement par IRC, puis après par les issues queue. Pour les nouveaux qui arrivent, on a des salles comme ça où on va leur expliquer, voilà, il vous faut installer ceci sur votre ordinateur, vous allez installer ceci, vous allez installer tel outil, etc. Et on va vous expliquer comment faire. Et après, on va vous mettre dans les mains de mentors, qui eux vont vous expliquer quelle issue attraper et comment progresser. L'idée à l'issue des sprints, c'est que les gens repartant chez eux participent et continuent à participer de chez eux ou de leur entreprise. Alors, on a un autre outil qui permet de faire des traductions en ligne. On a gagné 10 contributeurs en un mois à peu près ici. Donc, qui nous permet de partager les traductions et qui nous permet à la fois de traduire le corps et les extensions et de le récupérer automatiquement sur Drupal. Donc, on dit à tous, plutôt que de traduire dans votre coin, allez le mettre là. Alors, quel est l'intérêt? Je suis une agence web, je vais traduire, j'ai pas envie que mes petits copains aient la traduction. Mais si! Parce que si les petits copains ont la traduction de ce module, de cette extension, eh ben ils vont traduire une autre extension. Et donc, on aura une meilleure traduction. Et pour moi, qui fais de la traduction, plutôt que de la stocker dans un coin, mais je vais la stocker là. C'est aussi un outil de stockage. Donc, ce n'est pas perdu pour moi non plus. En termes d'organisation, on a besoin d'avoir des outils. On a besoin de serveurs, on a des noms de domaine. On a des problématiques de nom de domaine, il y a la marque Drupal à défendre, il y a des événements organisés, donc on a besoin de structures qui peuvent gérer des aspects financiers, des aspects juridiques, d'assurance, etc. Donc il y a une structure internationale qui est la Drupal Association, et il y a des structures éventuellement par pays comme Drupal France et Francophonie. Alors, on se pose des questions par rapport à la francophonie, il y a quelques pays qui ont leur association. On en avait discuté, je crois, un petit peu. On a encore francophonie, peut-être qu'à un moment donné, on fera tomber francophonie, mais on a dans nos missions d'aider les pays francophones à éventuellement mettre en place des événements, etc. S'ils n'ont pas de structure, on peut éventuellement les aider. Ça dépend des conditions politiques et autres du pays, ça peut être plus ou moins compliqué, mais ça fait partie de notre mission historique. On est une duocratie, c'est-à-dire celui qui voit un problème le règle. Par contre, c'est un peu structuré, on essaie de la structurer de plus en plus. À un moment donné, c'était les bisounours, c'était un petit peu complètement autonome, et on essaie de structurer de plus en plus, de façon à ce que les énergies ne se dissipent pas dans la nature. Donc, mais par contre, ce qui est assez intéressant, par exemple, si je prends la liste de diffusion du bureau, elle est modérée par quelqu'un qui n'est pas au bureau. Et moi, ça ne me pose pas de problème, parce qu'on a plein de spams qui arrivent. Et moi qui vire les spams, ça ne me pose pas de problème. Qui voit des choses qui arrivent pour le bureau, ça ne me pose pas de problème. On est où? Open. Source en même temps. Alors, ça c'était pour l'aspect, je dirais, structure. Pour l'aspect pour le développement lui-même, en fait, il est géré par les groupes projets. Donc on a le project lead, c'est toujours Dries Buiter, et tant qu'il reste dans son esprit. On a vraiment un super leader, c'est vraiment intéressant. On a une core team avec des release managers, ça va changer d'une release à l'autre. Et on a eu des initiative team pour Drupal 8. Il y avait des tas de sujets à traiter. On passait du fonctionnel, de développement fonctionnel à l'objet, on passait avec Symfony 2, avec des tas de bibliothèques, on voulait du responsive, on voulait plein de choses. Et donc ça posait plein de problématiques. Donc on a éclaté ça avec des teams sur des aspects particuliers du développement de Drupal 8. On a aussi une security team qui a vocation à scanner. On a des scanners qui tournent et qui scannent le corps et qui scannent les modules contributifs, un petit peu au hasard, mais en même temps, cette security team et n'importe qui contributeur peut aussi faire de la security review, fait aussi de la review manuelle. Donc, on prend des modules, on lit le code et on regarde s'il n'y a pas des problèmes éventuellement de sécurité. Il y a des groupes de travail éventuellement sur différents sujets. Et puis, il y a les centaines de milliers enfin, les dizaines de milliers de contributeurs qui apportent leur grain de sel, donc jusqu'à une centaine de milliers.
et qui peuvent apporter sur différents sujets. Je parlais de traduction tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu l'outil. La traduction, c'est souvent un point d'entrée pour les nouveaux qui arrivent, qui ne savent pas développer, qui ne sont pas graphistes, qui n'ont pas trop envie d'écrire de la doc. Et ben on leur dit, regardez côté traduction. C'est une des choses les plus faciles à faire. Et par exemple, on a fait un sprint à Lyon. Il y a une jeune femme qui est venue. Elle n'y connaît rien, ce n'est pas son truc. Simplement, elle a un petit site, elle avait des problématiques de traduction, donc elle est venue, on lui a expliqué, comme ça elle peut améliorer la traduction des modules de son site. Alors, on a amélioré, on a au début vécu dans notre sphère Drupal. Ensuite, on s'est un petit peu ouvert sur l'extérieur, on a introduit des bibliothèques externes, et de plus en plus, et quand on a fait... décider de passer à l'orienté objet, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on va tout réécrire ou est-ce qu'on va s'appuyer sur des frameworks. Et là, Symfony avait déjà un petit avantage technologiquement parlant, et en plus il y a une super communication entre la communauté Drupal et la communauté Symfony. Ce qui fait qu'on utilise beaucoup d'éléments venant de Symfony dans Drupal 8, mais on s'est ouvert aussi à l'extérieur. Par exemple, on participe au Framework Interoperability Group, le PHP FIG. Et puis, on essaie de développer les échanges avec les autres communautés. C'est l'objet de ma présence aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait intervenir dans des meet-up à Lyon. J'ai déjà fait intervenir des gens de Typo 3. Je discute avec les autres CMS. Pourquoi ? Parce que... il y a deux aspects. Moi, je fais du conseil aussi sur Internet. Donc, je dois surveiller un peu ce qui se passe à côté. Quand j'ai un client, si Drupal n'est pas adapté, mon rôle en tant que consultant, même s'il me propose de faire les sites, c'est de dire non, je pense que Drupal n'est pas la meilleure solution, donc allez voir plutôt WordPress. Je pense que ça sera plus adapté. Et comme on fait... chez Chipway, on est vraiment spécialisé sur Drupal en plus de l'Internet. C'est un peu dangereux. D'où cette nécessité qu'on fasse du benchmark régulièrement de ce que font les autres CMS. Et qu'on se tienne au courant et de façon à pouvoir dire « Ah ben, y a une problématique, Drupal ça part en vrille, il y a des changements de philosophie, il y a quelqu'un qui a mis le grappin dessus, et ben, on peut aller sur une autre techno très rapidement. » Donc c'est important de toute façon de savoir ce qui se passe au-delà de son jardin ou de son précaré. Alors je vais parler de revue de projet, parce que là ça en étonne plus d'un. Quand vous proposez un module sur Drupal.org, vous allez le mettre dans une sandbox. Jusque-là, il sera sous votre code utilisateur avec un numéro. Et à un moment donné, vous dites « Ah, mon projet, j'aimerais bien qu'il ait plus de visibilité. » Parce que tant qu'il est en sandbox, ça veut dire « Ouh, 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 vous allez utiliser mon module, attention, il peut tout casser. » Donc on va le passer en full project, ça lui donne plus de solidité. Et là où j'avais 3 personnes ou 4 sites qui l'utilisaient, je vais passer peut-être à 50 ou à 5000, voire à 1 million. Views est utilisé sur 950 000 sites à peu près. D'où le fait qu'on l'ait mis dans Drupal 8. Pour passer du bac à sable au full project, on ne va pas valider le projet, on va valider surtout le mainteneur du projet, celui qui développe ce projet. Et ça va se faire avec des cycles multiples. Donc il va proposer son code review. OK, donc les contributeurs qui font les reviews, ils n'ont pas trop de temps. Donc il y en a un qui jette un coup d'œil, il dit « Bon, la page projet, je ne vois pas ce que ça fait. Il faudrait expliquer ce que fait ton module. » OK. Donc le contributeur explique ce que fait le module. Il y a quelqu'un d'autre qui fait la review qui dit « Ah, je vois qu'il y a un problème, là tu n'utilises pas les API, il faut utiliser les API. » OK, bon, j'utilise les API. Il n'y a pas de copie d'écran. Attention là, tu ne respectes pas les codings standards, etc. Et donc, il y a des cycles multiples. On le passe vraiment au scanner et on a un petit peu l'impression que le microscope devient oppressant. C'est ouf. Il y en a certains, ça dure des mois pour passer de sandbox à full project. Parce qu'il y a une interaction et moins vous répondez vite et moins
ceux qui font du code review vont vous répondre vite parce qu'ils voient que vous n'êtes pas réactif. Donc il n'y a pas la motivation. C'est un peu un phénomène où plus on donne et plus on reçoit. Je vois que ça résume assez bien. Et on a un peu l'impression d'être dans une machine à laver, de se retrouver en papier mâché, d'avoir l'impression que ça ne va jamais se terminer. Mais à un moment donné, ça arrive et le projet passe en full project. Et là, certains considèrent ça un peu comme un parcours initiatique. Et en tout cas, tous ceux qui sont passés par là considèrent que c'est une très bonne école. Il y en a beaucoup qui disent, finalement, c'est vrai qu'on m'a cassé les pieds énormément sur mon truc, il y a peut-être des dizaines d'échanges, mais à la fin, qu'est-ce que j'ai appris ? Je ne me rendais pas compte qu'il fallait utiliser ceci, qu'il fallait faire cela, que je ne faisais pas bien. Et avant de faire d'autres modules, eh ben, j'ai appris beaucoup. Donc ça, c'est le principe de la revue de projet. Ça freine un peu la contribution au full project, ça, clairement. Mais je pense que c'est important qu'on le garde. On travaille, on réfléchit un peu sur comment améliorer ça, mais je pense que cet aspect un peu parcours initiatique n'est pas forcément mauvais. Ensuite, il y a quelque chose qui a beaucoup étonné, je crois que c'est Mathieu, il me semble, c'est l'histoire du passage de projet. En Drupal, on est sur du GPL2. Le mainteneur, j'aurais pu le mettre entre guillemets, ça ne se voit pas propriétaire, mais c'est la réalité, à part Merlin of Chaos pour Views ou des modules qui boostent, où ils ont 100 000 sites qui les utilisent, ou 500 000 ou 1 million, ils vont pas dire je propose à quelqu'un d'autre d'être mainteneur parce que ça leur donne quand même une super visibilité. Mais il y en a qui sont des serial contributeurs. Donc ils font un module pour un client ou ils ont fait un module et on se rend compte que sur leur page user, ils ont 25 modules. Et à un moment donné, ils disent, non, mais là, le module, si vous voulez qu'il évolue, moi, non, j'ai pas le temps. Donc, ils mettent ils taguent leur module avec un terme du type seeking co-maintainer. Ça, c'est qu'ils veulent pas tout à fait lâcher, mais ils veulent que d'autres interviennent. Et éventuellement, seeking new maintainer. Non, j'ai vraiment pas le temps. Donc, si quelqu'un veut reprendre le module, il le fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a proposé des patchs, qui a besoin que le module évolue, va à un moment donné dire ben, j'ai trois patchs qui ne sont pas intégrés et donc l'autre va dire ben, je te propose en tant que co-mainteneur, je regarde ce que tu fais et après je te passe la main. Modèle économique gratuit. Alors moi ça c'est un truc que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre. Hein, venant du propriétaire, je n'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait marcher. Surtout quand je vois tous ces gens qui travaillent gratuitement. J'ai mis des années à comprendre. J'ai utilisé d'abord Drupal. Moi, plusieurs années, j'étais un consommateur de Drupal avant de commencer à contribuer. Donc, il est entièrement gratuit, à la fois le cœur et les extensions. Les contributions sont bénévoles. Elles se font soit sur temps libre, soit en tant que salarié. Qui paye ? Bizarre. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre. Alors, le modèle économique, il faut quand même que les gens vivent ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce que vendent les gens qui font de la contribution à Drupal, ils vont vendre du service autour de Drupal. Ils vont vendre de l'expertise. Et ce qu'ils font en tant que contributeurs leur sert de carte de visite. Si vous voulez faire intervenir Tchèque, Angela Byron, des gens qui sont très connus pour leur contribution au cœur de Drupal, ça va vous coûter cher à la journée. Mais à la fin de la journée, vous aurez peut-être une solution qu'un autre qui ne connaît pas aurait mis 3 semaines à trouver. Donc tout le monde est gagnant. Le fait de facturer un taux de journée important dégage du temps pour pouvoir faire de la recherche et développement. Il y a un cercle vertueux aussi de contribution. Moi j'explique à mes clients, s'il y a un bug, soit on intervient, on altère sans modifier le module, c'est possible dans beaucoup, beaucoup de cas. Soit on propose un patch, et un patch, moi j'ai pas envie de gérer les patchs sur chaque mise à jour. Ça me fait perdre du temps. Donc ce que je vais faire, je vais proposer au mainteneur du module, voilà un correctif. Si tu l'intères, moi j'ai plus de patch. Ce que je fais, ma mise à jour, eh ben c'est bon, j'ai ma correction dedans. Donc ça, j'ai intérêt, moi, en tant que contributeur, en tant que développeur ou en tant que client, avoir ça. Et on partage les coûts.
L'intérêt, c'est que, par exemple, une entreprise comme Radio France avait fait un petit module, ils l'avaient fait développer. Ils l'ont mis, après des années, ils se sont dit, on utilise Drupal sur plein de sites, ça serait peut-être bien qu'on contribue un peu. Donc ils ont sponsorisé un peu, puis ils se sont dit, on va mettre un module en contributif. Le bénéfice, c'est qu'au bout de 2 ans, leur module, il était complètement transformé. Il était largement amélioré. Donc ils ont repris le module contributif à la place du leur. Et donc ça, c'est du partage de coûts. Je finance une partie à la place de financer l'ensemble dans le développement. Et puis, on essaie de mettre en place une reconnaissance à la fois des contributeurs. On le fait de mieux en mieux. Et un contributeur, quand il y a un commit, enfin, quand il fait une contribution à un patch ou n'importe quoi, il peut dire, c'est moi, et là, c'est en tant que salarié de telle société. Ou pour tel client, éventuellement. Et donc, ça fait de la, comment dirais-je, la carte de visite à la fois du contributeur et de ses sociétés. Les clés de la réussite. Pour moi, le fait qu'ils soient entièrement gratuits est vraiment une des clés de la réussite, parce que ça m'incite à contribuer. Donc, je tiens à cette gratuité. La culture de la contribution, je pense que c'est vraiment la base du fondement de nos outils open source. Il faut qu'on la cultive. Il y a toujours à faire, il y a toujours, mais c'est vraiment un fondement. Une communauté ouverte et accueillante, et là je vous remercie pour votre accueil à la fois à Lyon, au podcast ou aujourd'hui. Donc c'est important. C'est vrai que c'est pas facile d'accueillir les nouveaux, c'est pas facile de quitter le groupe de gens qu'on connaît, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, et d'aller vers les nouveaux, mais ça fait partie, de, je dirais, du job des animateurs des communautés. On a un leader qui est hors pair, il est au-dessus clairement, mais en même temps il est parmi eux. Moi je me souviens à Londres, je sprintais avec Tchèk, on était 4 à la table, il y en a un 5e qui s'est rajouté, il y avait une place libre, il y a Driss qui arrive, « Hey guys », il s'assoit, il fait des commits, il regarde les trucs, ok, et au bout de 2 heures, « Hey, see you later », donc il se mélange aux autres, et ce que j'aime bien dans la communauté, c'est qu'on dit, bien sûr, il y a des gens qui sont plus connus, il y a des vedettes, etc. Mais en même temps, on se traite tous au même niveau. On peut être président ou autre, il faut qu'il y ait des gens qui représentent. Mais en même temps, c'est une communauté qui est à plat, je dirais. Les entreprises multiples, il y a quelques grosses entreprises qui poussent Drupal, et donc qui financent un peu ce que je disais tout à l'heure, des gens qui vont facturer cher à la journée, mais qui font avancer le projet. L'humilité, c'est très important dans nos projets. On peut avoir la grosse tête, on peut tous avoir la grosse tête, ça nous arrive forcément, mais ce qui est important, c'est de garder de l'humilité. Donc, c'est ça qui nous permet d'avancer et de se dire un peu ce que je disais, ben, on est parmi les autres, on fait partie d'un mouvement et on fait avancer l'ensemble. Alors, les points de vigilance, le logiciel entièrement gratuit, donc c'est pas du tout l'approche que vous avez, vous, hein, mais... pour moi, c'est vraiment important de dire, s'il y a des gens, il y a des discussions, il y a des gens qui arrivent, qui disent « Ah, j'ai un petit truc que j'ai fait, je voudrais le vendre. » Non, non, ce n'est pas l'esprit. Ce qui est amusant, c'est que ça revient régulièrement. Donc, ce n'est pas du tout la logique, et moi, je tiens vraiment à cette gratuité. L'ouverture, il faut vraiment qu'on reste une communauté ouverte. C'est pour ça que je souhaite proposer, moi, aux organisateurs du prochain camp, que quelqu'un revienne présenter comment fonctionne votre communauté. Je pensais au président, éventuellement. Et structurer la duocratie. Donc, les gens qui font des choses, c'est très bien. Parfois, il y en a qui partent un petit peu dans tous les sens, ou qui arrivent avec des Santiago, les deux Colts. Je reviens prendre en main la communauté de Lyon. Waouh, 2 septembre 2010, je me suis dit ce qui m'est arrivé. Grand coup sur la tête. Mais non, ça marche pas. À un moment donné, les gens repartent en disant « Non, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique. » Bon, très bien. Pas d'éditeur. Donc, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas d'éditeur. Il y a une société dans laquelle travaille Driss, qui s'appelle Acquia, qui se présente comme guide de Drupal. Et c'est important qu'il ne se présente pas comme éditeur, parce que ça garde cet équilibre. On est sur de l'open source, du logiciel libre. Si jamais il voulait reprendre la main sur Drupal, il y aurait forcément un fork. Donc c'est important qu'il n'y ait pas d'éditeur. L'attribution des contributions, c'est vraiment important. Et garder l'énergie des bénévoles, les motiver, etc. En conclusion,
pour moi, c'est un exemple de réussite communautaire très modestement. Il ne faut pas hésiter à se remettre en cause et à garder l'humilité. Et puis, inspirer et s'inspirer d'eux, c'est l'objet des échanges. Hein. Prendre des bonnes idées, vous donner des idées, il y en a peut-être à prendre ou pas, c'est à vous de décider. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a pas mal de points communs finalement, hein, quand même, oui. Dans le fonctionnement. Je suis GPL par exemple. Moi, c'est une question juste un petit peu à part. Il y a une certaine différence dans le logiciel même entre WordPress et Drupal. Et il y en a un qu'on met souvent en avant qui est l'approche de l'interface utilisateur du back-office. Oui. Moi, je suis de près Drupal aussi parce que voilà, ça fait partie de l'écosystème en fait. Mm-hmm. Et j'ai noté que vous aviez fait un travail assez conséquent sur Drupal 7 et aussi Drupal 8. Et j'aimerais bien avoir un peu les coulisses de ça. Parce que je crois que vous avez engagé des gens qui sont spécialistes de ça, de l'UX, si je me souviens bien. Alors, c'est une super question parce qu'en fait, on était une communauté très orientée développeurs et back-end. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous manquait la touche graphique. Vous voyez mes slides, ils sont moins jolis que ceux qui font du WordPress, parce que vous êtes plus dans cette approche, être habitué à présenter vraiment le look. Je dirais que c'est culturellement chez vous. Nous, on est plus culturellement back-end. Et donc, on a fait des appels à des gens pour participer sur l'UX, on a fait des tests, on a fait venir des gens, on a fait des tests avec différents outils et extérieurs. On fait des appels aussi à des graphistes. Par exemple, pour Drupal France, je fais un aparté. Jusqu'à minuit ce soir, il y a un petit concours pour faire le nouveau logo de Drupal France. Donc on a déjà quelques propositions qui sont intéressantes, dont certains nous ont vraiment décliné la charte. Il y a 15 pages avec les couleurs papier, les couleurs web, etc. C'est vraiment super précis. Donc on fait appel aux compétences qu'on n'avait pas. C'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir la communauté. Et effectivement, on participe un peu plus à des front-end United ou des événements comme ça qui vont brasser des gens de différentes open source ou autres pour parler de ces aspects. Mais il y a eu un très très gros effort là-dessus. Ça fait partie du fait que ça fait partie des éléments qui font que ça a duré 5 ans pour sortir de Drupal 8. Bonjour, je vous remercie de la présentation. J'aimerais revenir sur l'aspect alimentaire que vous avez. Oui. Donc, ce que vous avez mis en avant un certain nombre d'arguments qui sont effectivement convaincants. Ce que je voulais savoir, est-ce que, d'après votre expérience, ça suffisait pour tout le monde pour manger, en quelque sorte. Et puis, la question pouvait s'adresser également à la communauté WordPress. Alors, effectivement, on voit de temps en temps des sociétés. Ça, dans tous les projets, on l'aura. On a des sociétés qui vendaient du propriétaire, ils consomment de l'open source, et eux, ce qui les intéresse, c'est faire de la marge. Avec ces outils, la contribution, ça ne les intéresse pas du tout. On ne pourra pas y échapper à ça. Mais ce n'est peut-être pas la question, en fait. La question, est-ce que ça suffit à tout le monde pour manger ? Est-ce que ça suffit à tout le monde ? Je dirais que moi, je gagne beaucoup moins bien ma vie que je la gagnais chez IBM. Est-ce que ça répond à la question ? Mais après, c'est un choix de vie. J'en parlais au repas des conférenciers. Je disais, dans la vie, il y a des choses qui sont importantes. Il y a déjà faire un job intéressant, avoir une femme et des enfants ou un mari avec qui on passe du temps agréable et qu'on aime. Et il faut pouvoir manger, il faut pouvoir s'habiller. Après, on n'est pas obligé. Moi, je ne vais pas au ski, je n'ai pas de besoins comme ça. Donc, je dirais une philosophie. Il y a des gens qui veulent gagner un maximum d'argent. Et c'est pas forcément dans l'open source qu'il faut qu'ils viennent. Et puis il y a des gens qui ont une philosophie, ils disent « la vie est courte et j'aimerais faire des choses intéressantes. » Et contribuer. Apporter aux autres, ça nourrit en fait. Hein. Enfin moi, c'est ma perception. Non, je suis... tout le monde ne peut que souscrire à ce que vous dites. La question, c'était plus, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont fait le choix de la contribution et qui, au bout de quelques années, voire même plus court, quelques mois, on finit par mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leur salaire. C'est plus ça, c'était plus ça la question, pas tellement une philosophie de vie auquel je souscris. Okay. Non, je pense que ça pourrait arriver si les gens mettaient toute leur équipe à contribuer et oublient de faire rentrer de l'argent.
Ça pourrait arriver, effectivement, parce qu'il y a une passion là, contribuer, c'est souvent plus intéressant que d'aller résoudre un problème client, parce que ça donne une autre aura. Oui, ça pourrait être le risque, c'est de se focaliser trop là-dessus et de ne pas passer assez de temps à faire du service. Moi, à la rigueur, j'en ai une. Vous avez parlé de duocratie, alors j'ai pas bien suivi. Duocratie. Alors, duocratie, c'est celui qui fait qui décide. C'est ça le principe. D'accord. Il faut faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui se dit, ah, il faut faire quelque chose, il décide. Et simplement, ça a fonctionné pendant des années comme ça, mais du coup, on ne savait pas trop ce qui se passait. Il y en avait qui décidaient de certains trucs. Et je dis qu'il faut la structurer parce que il faut pas que les gens fassent n'importe quoi. Mais c'est, je vois, il y a un truc à faire, je le fais. Par exemple, sur le site, on doit avoir une vingtaine de personnes qui peuvent virer des spams quand il y en a. Donc après, c'est eux qui décident. Ils voient si c'est du spam ou c'est pas du spam. Éventuellement, s'ils ont un doute, ils le dépublient. Mais c'est ce principe. Si on fait confiance aux gens, après, si les gens, on voit qu'ils sont là pour faire que des bêtises, on va leur enlever des accès. Est-ce que dans la communauté Drupal, il y a une manière de certifier des entreprises comme partenaires, entreprises certifiées Drupal? Alors, Acquia fait un petit peu ça en tant que guide. Ils ont des certifications qu'ils ont sorties assez récemment. Moi, je ne l'ai pas suivi parce que je ne suis pas sûr d'avoir exactement la même philosophie qu'eux sur la façon de développer. Nous, on fera peut-être une certification de notre côté, des gens qui suivent nos formations. La certification, son but, c'est que quelqu'un qui cherche un prestataire sache que le prestataire va être compétent et va faire du travail correct. Enfin, moi, c'est ma perception. Il y a eu des discussions depuis Londres 2011 sur est-ce qu'on fait une certification communautaire. A priori, ça n'a pas abouti. Acquia a sorti la sienne. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, mais oui, il y a ça. Puis après, il y a ceux qui ont suivi certaines formations et qui disent « j'ai été en formation dans telle boîte ». Les gens qui connaissent les formations en question savent ce qui peut en ressortir. Mais il faut pas... Ouais, la certification, pour moi, ce n'est pas forcément indispensable. Il y a l'aspect carte de visite et il y a l'aspect réseau. L'aspect réseau aussi, c'est intéressant parce que on se connaît entre nous, on sait un peu ce que savent faire les gens. Et donc, quand on a besoin d'une compétence, on va faire appel à une compétence pertinente par rapport aux besoins. Mais c'est vrai qu'un client nouveau, ce n'est pas ça de base. Oui, moi j'avais une dernière petite question. En fait, je ne connais pas vraiment Drupal, j'avoue. Oui. C'est un open source, donc CMS open source, donc forcément gratuit. Vous insistiez tout à l'heure là-dessus. Est-ce que vous avez des extensions aussi, comme nous, qui peuvent être payantes et qui enrichissent en plus le corps? Non. Non, non. Enfin, on n'a rien de payant. Et ce qui peut être payant, ça va être des services. Par exemple, si vous voulez faire du MailChimp, vous allez payer le service MailChimp. Je n'aurais peut-être pas dû citer une marque, mais par contre, le module MailChimp pour connecter Drupal à MailChimp, il est gratuit. Si vous voulez faire de la traduction, il y a plein de services de traduction qui proposent les connecteurs pour Drupal pour aller acheter leur service. Mais sinon, tous les modules sont gratuits. Et pour moi, c'est vraiment important. Bonjour, par rapport à ça, justement, j'avais entendu parler, je ne connais pas très bien Drupal, j'avais entendu parler que c'était cher. Mais j'entends ici que tout est gratuit. Alors en oui. Fait, cette notion de cher, c'est quoi? Ce sont les services, l'intégration. C'est une bonne question. Moi, je dis souvent aux clients qui nous appellent, je leur dis, vous savez, c'est gratuit, mais ça coûte cher. Voilà. Ok. Simplement, ce que vous achetez, c'est du service. C'est des gens qui vont mettre en place, créer votre site avec, ou votre intranet, ou votre boutique, enfin tout ce qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de licence. Vous n'allez pas payer de licence derrière. Ce que vous allez éventuellement payer, c'est une maintenance si vous souhaitez que ce soit nous qui maintenions. Et par contre, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, notre philosophie, c'est d'autonomiser les gens jusqu'au niveau où ils souhaitent aller. Il y en a qui disent, moi, je veux juste être éditeur, gestionnaire de contenu. OK, donc, il faut que vous ayez un prestataire qui fasse les mises à jour de Drupal, etc. Et puis, il y en a d'autres qui veulent être complètement autonomes. Et à ce moment-là, on va les pousser, on va les former jusqu'à ce qu'ils sachent créer leur site, le développer, l'étendre, le modifier, etc. Donc c'est effectivement ce que je disais,
Le taux de journée en Drupal, je ne sais pas du tout quel est, s'il y a un taux de journée en WordPress. Pour nous, il est important qu'il soit correct, de façon à ce qu'on puisse passer du temps à contribuer aussi. Il y a des clients, je parlais de la contribution, il y a des clients à qui on explique qu'il a intérêt à ce qu'on contribue. Et certains acceptent qu'on prenne un peu de temps pour contribuer le module qu'on fait pour eux. Et d'autres disent, non, on vous autorise à le contribuer, mais faites-le chez vous. Et dans ce cas-là, ben, on le fait sur notre temps, quoi. Ou le soir. Je ne sais pas si la réponse va être courte. Mais sinon, je serai là-haut. Très bien. Je viens d'une agence où on fait à la fois du WordPress et du Drupal. Oui. Chaque CMS a ses avantages et ses inconvénients. Là où souvent ça pêche, WordPress, on leur dit, il y a les mises à jour automatiques, ça se fait tout seul, ça se fait relativement bien. Oui. Drupal, il va falloir passer de la 6 à la 7, il va falloir passer de la 7 à la 8. C'est difficilement plus vendable à un client en termes de jours hommes de maintenance. Là, il y a des gens qui vendent des long-term support. Nous, on ne vend pas de long-term support. Par contre, si on regarde historiquement, on a nos versions majeures qui tiennent, je dirais, entre 4 et 6 ans. La Drupal 7 est sortie en 2011. Elle va être supportée jusqu'à la sortie de Drupal 9. Et Drupal 6 était sortie en 2008 et était supportée jusqu'au 19 février qui va venir. Donc il y a cette notion. Et pour Drupal 8, on a travaillé sur la migration. Si on veut passer d'un 6 ou d'un 7 à Drupal 8, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Voilà. Et on va laisser on la en salle. Discutera ensemble. Je vais remonter là-haut. Si vous avez d'autres questions, je pourrai y répondre. Merci beaucoup. Merci à vous.